Bonjour à tous, c'est Abélina. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette méditation pour l'ensemble des personnels soignants qui sont mobilisés, réquisitionnés dans le monde entier, sans distinction, dans le monde entier. Alors je vais vous laisser le temps d'arriver et vous expliquer comment nous allons fonctionner. Mais pour le moment, commencez déjà à profiter pour vous détendre. Et videz toutes les poches de stress. Je vous laisse arriver. Installez-vous confortablement et on va s'occuper de vous avant que vous puissiez aller vous occuper des autres. Car vous le savez, l'énergie est libre et circule. Alors ce soir, nous allons travailler avec l'énergie de Raphaël, qui est très impatient. Donc je pense que pour bon nombre de personnes, ça va aussi secouer le coco, vous avez l'habitude. Alors pour moi, c'était évident de faire une méditation, évidemment pour toutes les personnes réquisitionnées, personnes soignant là en particulier pour ce soir, parce que toutes ces personnes, je vais parler pour la France, n'ont absolument aucun moyen. C'est une honte, c'est un humanicide organisé. C'est le résultat de décisions. Et ces gens ont choisi un métier qu'ils aiment particulièrement, qui est un métier humain. Ils sont dévoués à leur cause, comme les pompiers. Ils ne comptent pas leurs heures. Souvent se mettent en danger. Et là, plus que jamais, on leur demande de faire vraiment l'éponge. Alors j'ai trouvé complètement logique de les accompagner pour également, au niveau planétaire, répandre cette énergie d'amour dont nous sommes capables et détenteurs, de la répandre pas simplement qu'en France, parce que d'autres pays vont être touchés, vous savez qu'il n'y a pas de temps, ce qui signifie que ce que vous faites à l'instant se répartit complètement dans l'univers. On va charger la grille cristalline de vos intentions de cœur. Et du coup, les pays qui seront prochainement touchés récupéreront votre énergie d'amour également. Vous le savez, à chaque fois que je travaille avec vous sur des méditations, vous êtes mis dans une poche de travail et vous allez évidemment être protégé pour ne pas repartir avec les petites crottes du voisin. Alors, je vous propose donc de vous installer confortablement et nous allons tout d'abord commencer par vous-même. Car il est impossible de s'occuper de l'autre si le soi intérieur n'est pas aligné. Alors, vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts à votre guise. Et maintenant, prendre le temps de suivre les rythmes. De suivre vos sensations, de suivre vos émotions et de chercher là au fond de vous cette poche, une poche douloureuse, une poche qui résiste car elle contient vos colères, vos peurs, vos non-dits, vos mémoires. Alors vous allez d'ores et déjà, en tout premier lieu, accepter d'accéder à cette poche, de vous y confronter, peu importe que vous la voyez ou pas, peu importe que vous la ressentiez, le tout est de consentir, de décider.
Et là, maintenant, vous allez simplement décider de la réduire, cette poche, encore plus. Réduisez votre poche émotionnelle encore plus jusqu'à ce qu'elle disparaisse de manière microscopique et que vous puissiez de nouveau respirer à plein poumon et renouveler votre respiration profondément. Et laissez les larmes monter si nécessaire, les tremblements s'exprimer. Car vous devez être aligné pour pouvoir transmettre l'amour. Renouvelez cette respiration libératrice. Et laissez le corps poser là. Maintenant, dans vos intentions les plus pures, nous allons, collectivement, mais dans nos poches individuelles, nous rapprocher de la terre, comme si elle flottait là devant nous. Peu importe que vous voyez ou pas, laissez votre esprit vous guider par les sensations, les émotions. Et nous allons tous, maintenant, poser nos mains sur la grille cristalline. Et ainsi, nous allons charger cette grille cristalline. Et chacun protégé, nous ouvrons notre chakra cœur. Et nous allons nous connecter à tous nos frères et sœurs de lumière, venus comme nous, ici-bas sur terre, vivre cette expérience. À tous les personnels soignants, encadrants, qui se mettent en danger, qui s'offrent à l'expérience. Et nous pouvons décharger notre gratitude notre amour et le respect que nous portons à la vie sous toutes ses formes. Laissez vos mains sur cette grille cristalline. Et vous pouvez maintenant tourner vos paumes de main vers le ciel et oser vivre une expérience. Votre corps physique, là, dans la quatrième dimension, a les paumes de main vers le ciel et votre être supérieur, puissant, sans limite. À les mains posées sur la terre, sur la grille cristalline, en encodant cette grille d'amour. Recevez maintenant en retour les sensations dans vos mains physiques, le retour énergétique des âmes qui reçoivent votre compassion. Votre amour, votre respect. Peut-être que tout votre corps tout entier vibre ou tremble, et non pas seulement les mains, peu importe. Acceptez d'être en communion
avec ces âmes à qui vous donnez force, énergie, amour infini. Ici et maintenant, au nom du bien commun, que circule la source à travers chaque être ici manifesté, en connexion directe avec notre grille cristalline, qu'elle se charge, se remplisse et diffuse protection à tous les êtres vivants sur Terre. Prenez le temps de retirer vos mains une à une de la Terre et de regarder son rayonnement. Alors, envoyons les pensées supplémentaires à toutes ces âmes bienveillantes au service des autres. Envoyons-leur tout ce qui nous relie. Alors maintenant, à votre rythme, vous allez pouvoir, quelques instants, émettre vos propres intentions. Des intentions claires pour toutes les âmes que nous avons connectées. Et puis, transmettez maintenant, à votre manière, et vivez ce moment complètement. Et vous pouvez revenir à votre rythme entouré de l'énergie de Raphaël, présent. Passez sous une douche de lumière pour vous-même recevoir votre part de réparation dans cette mémoire collective. Et vous pouvez revenir à votre rythme dans votre corps en bougeant les pieds, les mains, en vous étirant, en prenant le temps de respirer calmement. Et vous ressentirez encore et encore la présence de Raphaël. Alors vous pouvez complètement revenir ici et maintenant dans votre corps et ouvrir les yeux, revenir complètement en conscience, revenir dans chaque cellule, apaisé, aligné. Et revenir complètement, maintenant. J'espère que ce moment partagé vous aura permis de comprendre à quel point vous avez absolument tout en vous. Vous êtes des êtres multidimensionnels, sans limites.
ne l'oubliez jamais. Bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez partager ces méditations comme toutes les autres. Elle sera mise de côté, protégée, puisque tout est squeezé automatiquement de mon côté. Prenez soin de vous. Soyez fiers de qui vous êtes. Aimez-vous très fort. Parce que vous aimez, c'est aimer notre humanité tout entière. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt.